Bonjour à tous. L'objet de cette petite vidéo est de vous présenter le site internet de Crow Country. Pour pouvoir y accéder, il vous suffit dans les barres de recherche de taper Crow comme la ville, CROTH, et Country, comme ce que nous pratiquons. De là, vous allez avoir un lien direct vers l'association Crow Country que l'on a ici. En cliquant sur ce lien, vous allez arriver sur la page d'accueil de notre site. Un premier pop-up vous indique un événement important qui peut avoir lieu pour nous. Donc, dans ce cas, ça va être le bal, notre prochain bal, le 28 janvier, à Crow. Pour quitter ce pop-up, cliquez sur Entrée site Country et donc vous arrivez sur la page d'accueil de notre site où nous vous présentons donc notre association, les heures de cours, le type de danse que l'on pratique et également un petit lien pour un contact si vous voulez nous contacter. Toutes les pages du site sont présentées de la même façon. Vous avez notre logo ici en haut. Vous avez des menus déroulants que l'on a ici. Et vous avez des boutons sur le côté gauche, différents boutons que vous pouvez avoir ici. Nous allons donc commencer à naviguer un petit peu dans le site. Tout d'abord, sur la partie gauche, vous avez un bouton qui s'appelle Choré de l'année. Donc, ce sont toutes les chorégraphies que l'on a apprises dans l'année. Donc, dans la page principale, ces chorégraphies se présentent sous forme d'un tableau avec la date à laquelle nous l'avons appris, le niveau auquel la danse correspond, le nom de la danse, bien sûr, et des icônes de pas et de vidéos qui nous permettent donc d'accéder à la page. Vous avez ici donc plusieurs pages, une page sur cinq. Vous pouvez afficher plusieurs lignes, donc 10, 20 ou 30 lignes de chorégraphie, donc le nombre de pages change. Et vous avez ici une barre de recherche qui vous permet donc de retrouver une danse plus particulièrement, comme Wildlife que nous avons ici. Donc les deux petites icônes que nous avons sur le côté permettent donc d'afficher la feuille de pas et la vidéo. Donc la feuille de pas de notre site, la voilà. Donc voilà Wildlife où vous retrouvez donc toutes les informations, le titre, le niveau, le départ, les différentes séquences de pas, et en bas, donc les musiques, la danse en ligne, etc. Et les logos, les informations juridiques de notre association. Vous avez sur la partie vidéo, donc un lien qui vous amène directement sur la vidéo concernée sur YouTube. Voilà pour les chorés. Sur le bouton Toutes les chorés, vous avez donc toutes les chorés que nous avons apprises. Toujours sous forme de tableau, sous forme de page, en affichant toujours un nombre de lignes que vous le souhaitez, donc 5 pages. Ce tableau se présente donc sous le niveau de la danse. Vous avez toujours le lien vers la feuille de pas que nous avons ici. Nous n'avons plus de lien vers le vidéo, mais toujours vers la feuille de pas, en cliquant sur le lien ici. Vous avez le niveau, le type de danse, le nombre de comptes, le nombre de murs, le chorégraphe et la musique concernée préféré. Vous pouvez trier, sélectionner et filtrer ce tableau ici par le niveau débutant, intermédiaire, par le type de danse, danse en ligne, causée, phrasée, etc. Par le nombre de murs indiqués et bien sûr par le nombre de comptes et le nombre de murs. Non, en dessous, vous avez toute notre partie agenda, donc les différents événements qui peuvent se passer dans la région, auxquels vous pouvez participer. Donc, ce sont toujours par lien qui nous ramèneront vers la page d'agenda. Donc, lorsque vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir plus d'informations concernant cet événement. Prenons par exemple celui-ci, Bal CD Country, organisé par le comité des fêtes d'Annette, pardon. Comité des fêtes, il se déroulera le 26 février à 14h au Dianétum d'Annette. Vous avez ici l'adresse exacte pour vous rendre, le numéro de téléphone pour information. Et lorsque nous le possédons, vous avez l'affiche qui nous a été envoyée, regroupant toutes ces informations, mais également donc la playlist que l'on peut avoir si vous voulez donc préparer votre sortie.
La newsletter ici, si vous souhaitez être adhérent à notre newsletter, vous indiquez votre email et vous recevrez automatiquement sur votre boîte mail la newsletter. L'annuaire ici, qui va donc regrouper tous les différents sites internet consacrés à la country. Nous avons par exemple ici dans Culture et Sens, ce sont toutes les informations générales sur la danse country. Donc, l'historique de la danse country, d'autres liens donc qui ont pu être glanés au fur et à mesure des recherches. Et puis également, autre site intéressant, la carte des festivals American Country, qui était hébergée par la fédération country, et qui donc indique tous les festivals country afférents à la musique américaine, musique, danse ou équitation en fonction de l'icône que vous pouvez retrouver ici. Donc par le lien, vous avez donc un aperçu géographique. En cliquant dessus, vous avez donc la date à laquelle a lieu l'événement, l'édition, mais également donc les liens vers leur site internet ou leur page Facebook. Ce site, j'ai le plaisir de le mettre à jour régulièrement. Vous avez également donc dans l'annuaire tous les sites des associations de nos amis. Donc ces 3R à Auroux, à Villemeux, à Chartres. Ces sites sont également de très bonne qualité et ont énormément d'informations à l'intérieur. Si vous avez donc des propositions à vous faire, n'hésitez pas via la partie contact à nous informer des sites que vous souhaitez voir apparaître. Voilà pour la partie des boutons gauche de l'écran. Nous allons donc voir les menus déroulants. Très rapidement, l'agenda. L'agenda retrouve ici toutes les informations, mais sous une forme un petit peu différente. Vous avez donc d'abord par catégorie. Donc nous avons 8 balles pour l'instant d'enregistrer, un festival et un stage. Donc en cliquant dessus et en bas, donc c'est une partie style calendaire où vous vous retrouvez ici tous les différents événements. Donc prenons par exemple le stage. Quand on clique sur le stage, on voit que nous avons donc un stage en décembre, rien en décembre, pardon, et le prochain stage donc aura lieu en janvier ici à Châteauneuf, Antimarais. Donc Châteauneuf, Antimarais, un stage de danse catalane. En fonction des informations que nous avons également une petite carte indiquant exactement où c'est par rapport à une Google Maps. Pour la partie agenda, nous avons l'album photo. L'album photo donc regroupe toutes les photographies que l'on a pu prendre au cours des événements que nous organisions, que nous avons participé. Donc, ils sont regroupés par chapitre. Vous avez le nombre de photos ici qui est indiqué. En cliquant dedans, vous rentrez dans l'album. Cet album, de la même façon que pour les pages, vous avez une dizaine de petites vignettes. Vous avez plusieurs pages de photos. Il suffit de cliquer sur une photo pour pouvoir l'agrandir. Et vous avez sur le côté donc des petites flèches qui vous permettent de naviguer sur les photos de la page. Si au cours de cette navigation, vous apercevez que vous êtes présent sur la photo et que vous ne le souhaitez pas, informez-nous rapidement, nous retirerons la photo. Toutes ces photos, vous ne pouvez pas les copier, elles sont protégées par un copyright de CrowCountry. Mais en revanche, si vous les souhaitez, nous pouvons vous les fournir gracieusement, bien sûr. Le blog, comme toute partie de blog, permet de lancer des sujets de conversation avec tous les membres pouvant accéder au site, hein, donc un petit peu avec tout le monde et toutes les informations que l'on peut avoir. L'espace membre est donc réservé aux membres de l'association. Pour pouvoir y accéder, il faut donc avoir sa cotisation à jour. Bien sûr. Dans l'espace membre, nous avons le bouton administration où nous allons retrouver tous les comptes rendus d'assemblée générale, mais également le règlement intérieur. La partie archive, donc qui indique toutes les danses que nous avons pu apprendre au cours des différentes années, année par année.
La partie démo qui, lorsque l'on effectue des démonstrations officielles, nous permettent donc de sélectionner les danses et de créer nos playlists dans cette partie-là. La fédération FFLCD, Crow Country, est adhérente à la FFLCD, à la Fédération Française de Country Line Dance. Vous retrouvez donc dans cette partie tous les avantages afférents à cette adhésion. Et en 2016-2017, les chorégraphies que nous apprenons cette année. Un espace livre d'or pour pouvoir que vous puissiez donc connaître toutes les appréciations que l'on peut avoir lors de nos manifestations. Donc nous les enregistrons ici. Vous pouvez également déposer votre message que l'on a ici afin de participer à cette partie-là. Après approbation par les membres du bureau, votre message sera publié. Présentation de l'association, donc notre implantation, l'implantation est à Crow Country, donc est à Crow, pardon, à la mairie de Crow. L'objet de notre association, donc nous sommes une association de danse country créée en 2009. Les cours se déroulent à Issy-sur-Eure et à Crow, et vous avez les tarifs en vigueur cette année. Et dans la présentation, nous avons donc notre organisation, le bureau actuel, donc et les membres du bureau actuel. La partie vidéo est malheureusement actuellement en chantier car notre compte vidéo YouTube a été supprimé suite à un piratage. Donc nous sommes en cours de reconstruction. Les vidéos, si vous essayez d'y accéder, elles sont totalement inactives car le compte a été clôturé. Et la partie contact, vous souhaitez nous joindre pour nous laisser un message ou nous poser une question ou autre concernant le site, concernant l'association, concernant la danse country, nous pouvons vous y répondre sans aucun problème. Vous remplissez votre nom, votre email et nous vous y répondrons dans les plus brefs délais. Voici une présentation donc rapide du site. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeux et surtout ne pas avoir trop bafouillé. Je vous remercie beaucoup de votre attention.